Alors, alors allez-y. Ouais, ouais. Alors moi, quand je me suis oublié de rappeler, il fait des choses magnifiques. Merci. Vous êtes vraiment un artiste. Mais ah ben, merci, on merci. Dit qu'en chacun sommeille un enfant, mais je pense aussi qu'en chacun sommeille un artiste. Ah bah ben, oui. Pour ah ben, que oui. Même qu'on tardivement. Ait... Ah, oui. Même tardivement. Ouais. Même tardivement, ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'âge à créer. Et que ce que je vais dire, il y a des nérios qui les retraités parce que des guinéens, la majorité, surtout les amis à guerre, j'ai remarqué que c'est des retraités. Quand il est venu, il est retraité. Mais après la retraite, il y a une deuxième vie. Parce que, dites-moi, après la retraite, on a déjà un pied dans la tombe. Ouais. Alors que c'est l'âge où on est serein, on est zen, à vivre pour soi. Le temps nous appartient. Voilà, le temps nous appartient. Donc il faut le mettre à profit. Et c'est formidable parce que là, ça entraîne même aussi les jeunes. À faire autant, voilà, à faire aimer l'art d'une façon générale, parce que la place de l'art en Algérie, c'est une place de second rang, alors que l'art, c'est quelque chose de primordial pour l'équilibre psychologique de tout être humain. Quand on aime l'art, quand on est artiste, quand on crée, je pense que ça apporte un bien-être, ça apporte un équilibre, ça apporte beaucoup de choses, de plaisir, de l'autre vivre, de voir les choses au-delà, au-delà de leur image première. Moi je dirais que la vie active, c'est le gâteau de pâtisserie fini. Et puis dessus, quand on va vers l'art, c'est une cerise que l'on pose sur le gâteau. Eh ben voilà. Donc, M. Oulderabah, il finit sa carrière en déposant par une cerise, par une cerise qu'il dépose sur le gâteau. Oui, merci. Voilà.